parti. Alors, je sais pas moi dans les jeux. Voilà. Je sais toujours comment est-ce qu'on joue, il faut que je réapprenne. Donc est-ce que je refais mon stock? Peut-être. Ouais, ça pourrait être utile, on sait jamais. Alors on est revenu dans la salle de départ là où il y a eu l'arrivée de notre camarade. Et de nos amis ouais, et qui se sont fait plus ou moins massacrer. Alors il y a toujours beaucoup de traces de ce qui s'est passé. Il y a quand même des hélices qui ont sauté du plafond. Nous sont arrivés les monstres. Et nous on était le gentil con qui allait tirer les portes. Alors. Ça c'est tout ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir en permanence savoir où on doit aller. Donc j'avais sauvegardé ici, on a une porte en face, je vais afficher la carte, savoir un peu ce qu'on a autour. Alors, on est là, et éventuellement elle est en face. C'est pas bien ce qu'il y a, peut-être qu'on est en face. On va découvrir le fait. Ah bah c'est là où on arrive au début du jeu donc. Est-ce qu'il y a éventuellement des casiers ouverts qui sont, qui sont activés? A priori non. Parce qu'en fait au fur et à mesure du jeu il y a certains casiers qui deviennent qui peuvent être ouverts. C'est pas forcément le cas au départ. Alors. Ça a l'air d'être en face, on va prendre l'ascenseur. On a une petite salle, donc on va aller faire un saut. Ça sent le piège à plein nez. Je vis toujours des endroits comme cela. A priori, ça a l'air calme. Vous avez entendu? Je pense que vous avez entendu. Large medkit, ça pourra toujours servir. Des medkanettes, alors ça c'est ça qui est extraordinaire de ce jeu-là, ce que je disais, c'est vraiment l'ambiance. Bon, ben on a de la chance. Il n'y a pas de monstre ici. Pour l'instant du moins. Ah ben, j'ai bien fait de revenir en arrière parce que j'avais pas vu cette petite caisse. Hop. Le jeu-là, il faut toujours tout ramasser parce qu'on ne sait jamais où on va avoir besoin. Et attention. Voilà. C'est les ascenseurs, non c'est lui, il descend. C'est les ascenseurs qui s'ouvrent d'un côté, qui s'ouvrent de l'autre, on ne sait jamais. Ok. Alors, buy new weapons and items at the store, place extra items in the safe. Ok, donc a priori c'est bah, le store, donc le stockage du coffre. Access store avec E, change menu, ok. Donc le store il est où? Ah bah le voilà. Donc on peut stocker des armes, des munitions, stocker un peu tout ce qu'on veut. Et ah bah il semblerait qu'on soit arrivé à la fin du premier chapitre, puisqu'il y a le train qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça, le bench? Bah, on l'avait déjà vu en fait, ça permet d'utiliser... utiliser nos nodes, donc les points en bas à droite, pour augmenter nos armes, nos capacités de combinaison et également l'effet de la stase. Bon, pour l'instant on n'a pas de points et les points sont assez durs à trouver, mais en tout cas il y en a régulièrement. De ces benches, donc ces bureaux, on peut traduire ça par bureau, bench. Alors on a 14 000 crédits, on peut acheter, alors on peut déplacer des items dans le safe si on veut, on peut acheter du medpack, on peut acheter des armes, qu'est-ce qu'il peut être utile à ce moment-là, small medpack, small aircan, je sais pas ce que c'est, aircan d'accord, ça c'est d'oxygène, power, on peut les acheter aussi, 10 000 ça vaut, power note pour augmenter les capacités de ces armes, plasma cutter ça vaut 10 000, on en a déjà un, je pense pas que ce soit intéressant d'en racheter un deuxième. Large medpack, donc les medpacks, plasma énergie, donc ça c'est pour les armes à plasma. Et plasma cutter, alors plasma cutter, est-ce que c'est le même en fait? Oui, je pense.
Attends, je vais regarder un truc, combien de munitions il me reste. Il me reste 25, 25, 25, plus 7, donc ça suffit. R 70%, donc ça va. Et ensuite ça, donc c'est large medpack, medium medpack. On peut pas ranger son, son inventaire, j'ai l'impression. Moi je vais pas trouver. Navigate, Enter, et Tab, Exit. Ok. La map ça on l'a déjà vu. Les objectifs. Et database, c'est tous les messages que l'on a eu depuis le début du jeu. Voilà, bon on a fait le tour, on va faire un petit tour dans cette salle, voir s'il n'y a pas des choses à ramasser. On les voit pas forcément au sol, donc il vaut mieux essayer de marcher un peu partout, voir, mais bon, ça a l'air calme. Donc on n'a pas dépensé nos sous, on n'a rien placé dans le bench, donc on a le bureau. On passe à la suite. Il n'y a rien à ouvrir. Non. Voilà. En fait, c'est une espèce de tramway à l'intérieur du vaisseau. Bah donc la dernière fois, j'avais sauvegardé juste avant d'arriver à la fin du premier level. C'est pas bien grave. Save your progress. Oui, car je risque de mourir longtemps, beaucoup de fois. Alors, chapitre 2, Intensive Care. Soins intensifs. Science Medical Deck. Ok. Donc là, c'est bien, on voit en fait dans le temps de chargement de là où on était, donc la zone du vaisseau, où en fait on est arrivé, on s'est posé au départ, lorsque l'équipe est arrivée dans son vaisseau. Et la nouvelle section du vaisseau, Ishimura, qui est légèrement plus à l'avant. Ça permet de voir un peu la taille du vaisseau en fait. On voit que on a donc le vaisseau, là en grosso modo on est sur la surface du vaisseau, il y a encore les cales en dessous. Il y a la tour de contrôle également et l'arrière du vaisseau, donc ça laisse présager de pas mal de phases de jeu. He's here. Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. I saved this for you. Can I go now? Use kinesis to move or throw objects. To take me. Donc là, elle est morte, juste au moment où on est arrivé. Et elle était en train de devenir un peu folle parce qu'elle était en train de parler à un cadavre qui grouillait de larves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais, bon, je suis en train de donner des coups, bon, on est déjà dans le bas. Alors, avec la petite stase, je crois qu'on peut déplacer les objets, mais la stase se consomme assez vite. Donc on va pas l'utiliser pour l'instant, on a pas de cadavre ici. Alors, small medpack, ça c'est toujours bon à prendre. Alors je sais pas si quand on soigne, le jeu est intelligent pour utiliser le medpack le plus adapté. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le plus gros, puis ensuite le moyen, puis le petit, il prend celui qui est le plus adapté pour redonner sa vie à fond. Parce que là on voit, bon là je suis à fond, y a pas de souci. Mais si des fois en pleine action, vous vous sauvez, enfin vous dépêchez d'appuyer sur la touche A pour vous soigner, et qu'il utilise le gros pour vous redonner juste à peine un petit peu de points de vie, ça vaut pas beaucoup la peine. Donc j'en profite également tant que j'ai pas de monstre autour de moi pour vous montrer un peu les décors. Donc là je sais pas exactement ce que c'était, surtout un distributeur, enfin ouais ça ressemble à un distributeur de canettes en fait, c'est assez rigolo. Et il y a pas mal d'écritures sur les murs. Donc cadavres aussi, mais les cadavres on va pas les déplacer comme j'ai dit. Là la stase je peux l'utiliser. C'est pas vraiment une stase en fait. Utiliser pour déplacer des objets, donc c'est-à-dire que même les cadavres, je peux venir les ranger ailleurs. Voilà, ça fait un peu plus propre quand même. Alors, on y va gaiement, dans la joie et la bonne humeur et le sang. Ah. Communication, pick up schematics to add item to the store. Ramasser des schémas pour ajouter des objets dans le stock en quelque sorte. Le store en fait, c'est un peu le magasin. Donc on a récupéré un schéma qui doit être un schéma du matériel Flamethrower schématique, donc le schéma du lance-flamme. Donc il doit sûrement permettre de créer son propre lance-flamme par la suite. Alors, pour le réflexe, c'est ouvre une porte,
tu te sauves légèrement de la porte au cas où. Ibis, are you there? We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes, and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage, and a shock pad from zero-G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Donc, ramasser de la thermite. Je crois que ça se traduit thermite. Et je sais plus quoi. Dans la zone médicale. Alors, il me semble qu'on a été plongé dans le noir en quelques instants. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ici, ça doit être la zone où on doit placer la fameuse thermite qu'on doit aller chercher. Et on nous conseille d'aller par là. Alors, on va peut-être sauvegarder avant. C'est mon outil, pas forcément, je n'ai pas fait grand-chose, mais par principe, je préfère toujours sauvegarder. On sait jamais sur quoi on va tomber, ce serait dommage de perdre ne serait-ce que quelques minutes de progression. Voilà. Alors, j'aime bien le bruit des mouches, parce qu'on est quand même dans l'espace. Et on est censé pas pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'aller à gauche et on me dit qu'est-ce que c'est que ces points là? Store, ok. Bon, bah, je pense qu'on va suivre les objectifs, puis on verra pour se balader dans le niveau plus tard. Bon, j'ai sûrement loupé les choses, hein, je passe peut-être un peu vite. C'est long de ouvrir cette porte. C'était pas par là qu'il fallait que j'aille. On va quand même regarder ce qu'il y avait. Par principe, toujours couper la tête des monstres que l'on croise. Voilà, la mauvaise idée. Alors, Planetary Fire, Secondary Fire, Space. Ah bah moi j'utilise le bouton central de la souris, donc ça revient au même. Peut-être que c'est plus rapide effectivement d'appuyer sur Space, c'est plus facile. Bizarrement, ça m'arrive souvent de me tromper et d'appuyer sur le truc central pas suffisamment fort. Ouais. Et donc, je pas bien. Ton central d'une souris, c'est pas fait pour cliquer, j'ai l'impression. Si vous croyez que ça va arriver de là? Non, mais ce serait pas quand même. Pas lui tirer dessus, ça c'est tout. Je refuse que je tire dessus, donc il doit y avoir un truc qui va se passer. Voilà pourquoi. C'est vrai que c'était mieux. Je vais laisser mourir. Ah, recharge de stase, ça c'est pas mal. Ah, c'est pas ça que je veux faire, je vais ramasser ce qu'il y a au sol. J'y arrive pas parce que. Voilà. Donc la stase elle est à fond, donc tant mieux. C'est sûrement qu'on va en avoir deux. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? J'ai pas le temps de le regarder. Je sais pas où il est passé finalement. Bon, alors là, c'est fermé. On va pas pouvoir y aller pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on a ici en fait? Corps en lévitation. Use kinesis on heavy objects that display this symbol. Le symbole avec un espèce d'aimant. Ok. Et on le déplace en fait. C'est... permettre de tester la fameuse théorie de
si ce jeu-là est interdit au moins 16 ou au moins 18 ans. Faut quand même être assez précis sous la pression. Ce qui est vraiment pas évident. Alors, inventaire... Ah, inventaire full. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que je peux pas mettre plus de... Bon, on va utiliser ça. C'est pour mettre à fond, hein, tant qu'à faire. Donc ça je savais pas, mais on est... bah, voilà, mon inventaire est plein, donc je peux pas prendre le schématique non plus. Donc ça c'est intéressant parce que bah, voilà, je me trouve dans la situation où je vais être obligé d'aller déposer du matériel un petit peu en retrait. Là où j'étais tout à l'heure. Chose que je ne savais pas. Alors là il y a une pile à remettre ici, là il y a un ascenseur, donc c'est sûrement la pile qui va permettre de remonter l'ascenseur. Mais on va faire un petit tour en arrière pour revenir bah, en fait là où j'étais au début. Je vais poser bah, toutes les munitions et c'est vrai qu'il commence à poser. Au passage, je vais arracher une jambe, on ne sait jamais. La stase va la recharger également. Bah, ça va, il est sportif notre ami. Il court sans broncher, donc ça c'est bien. J'ai pas été très bon non plus sur le tir là cette fois-ci, j'ai tiré vraiment. Comme une grosse saucisse. Il me semblait qu'il y avait un store ici. Ah voilà, le fameux store. Hop, on va mettre nos petits articles. Donc qu'est-ce que le. Alors schématique downloaded. Ah donc voilà, le schématique en fait il s'oppose automatiquement. Donc normalement il va s'enlever de mon inventaire. Alors, Hunter safe. You can move item. Alors comment est-ce que je fais pour déplacer des items? Ouais, you can move item from the inventory. Comment je fais? Je sais pas. Alors là, j'avoue, je. Ah, mon inventaire, voilà. Ah, bah c'est ça ce que j'ai en fait. Ça, c'est mon inventaire. Ok, je viens juste de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Small, small, small. Le large, on va peut-être le déplacer pour l'instant. Ça n'ira pas. Voilà, move. Qu'est-ce qu'on a? On a toutes les munitions aussi, on va le déplacer. Voilà quoi, parce que là on est pas trop mal. Small med kit, medium, on va en déplacer un aussi. Bon, allez, on est fifou, et puis on va déplacer les deux munitions en trop. Voilà, on a fait un peu le déstockage. Alors, oui, effectivement, j'avais pas fait attention au début, c'est qu'il faut vraiment faire attention à, bah, à son inventaire. Donc, ne pas avoir trop de choses sur soi pour pouvoir ramasser éventuellement ce qui est intéressant à ramasser tout le temps dans l'aventure. Alors hop, ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est qu'une fois que t'as nettoyé la zone, tu peux le refaire, plus personne. Tant que t'as pas avancé un point et que t'avances dans le script. Voilà, bah, allons-y gaiement. Même pas peur. Ah, bah y'a un bureau pour utiliser notre point chèrement acquis. Donc peut-être que l'on peut... rig. Ça c'est la tenue de combat je pense. Est-ce que l'on peut augmenter notre capacité? Non, a priori dans notre combinaison on peut pas le faire, donc R et HP. On peut utiliser, on peut peut-être utiliser ça sur les HP. No adjacent node detected enable to process request. Ah, il faut d'abord partir d'un point de départ et ensuite venir au HP. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Sinon il y a le plasma qu'on peut augmenter. Ça c'est un point de perdu. Kinesis module, qu'est-ce que ça permet de faire? Estasis, la stase, c'est pareil, il faut 3 évolutions, soit pour l'énergie, soit la duration, donc la durée. Bah, les choix sont pas évidents quand même. Je serais partisan de partir sur ça. Et puis de partir sur les HP en attendant. On verra si ça, si ça mène quelque part. Alors j'ai pas, je pense qu'il est pas possible de faire un jeu, faut vraiment faire un choix. Ça c'est un peu le problème de ce genre de jeu, c'est qu'on aimerait être bon dans tout et finalement on est mauvais dans tout. Mais je pense que la vie me paraît indispensable, même si j'aurais été partisan de prendre la capacité. Alors, it's time. C'est l'heure. Alors l'heure de quoi? C'est la grande question. Bon, y'a rien à ramasser, juste des cadavres. Des notes ici que l'on peut pas lire. Alors vous voyez les membres que j'ai arraché tout à l'heure, c'est les membres qui sont morts en fait à la base des humains infectés. F, ouais, c'est bien visé.
suppose. De mur en mur. Ah bah oui, c'est ça en fait, il est passé dans le mur et il a surgi dans mon dos. Alors ça c'est fort, ça c'est très très fort. Ça c'est très très fort. Je recharge le stase. Ça c'est très très fort. Est-ce que je garde maintenant? Je peux tirer dessus. Regardez derrière au cas où. Regardez aussi ce jeu. Donc ouais, en fait là c'est là où c'est bien fait quand même ce jeu. Vous voyez, le monstre il était devant moi et il a surgi derrière moi. C'est vraiment inattendu. Et c'est fait exprès, je pense. Je sais pas si c'est une capacité qu'ont les monstres de se déplacer comme ça de zone en zone. Plein de trucs. The marker will save us. Butted back, putlow, je sais pas quoi, j'arrive pas très bien à lire. Il y a tout un tas de symboles avec des formes extraterrestres sur les murs. What are you willing to give up your life for? Donc voilà, pas mal de phrases qui sont écrites comme ça. Ah! Your air meter will appear when you are in a vacuum. Air timer, 8 minutes 27. Use refill canister. Donc j'en ai pas. Donc on va se le tenter comme ça, on va voir. Je vous laisse admirer la poésie de ce moment-là. On est à l'extérieur, donc comme si Star Wars avait été voulu respecter la réalité de l'espace, il n'y aurait aucun son dans le film. Et là... on n'entend rien. As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boots will kick in when you enter a zero-G area. Zero-G area, qui parle de la zone de zero gravity. Zero gravity et alors ça, c'est son monstre à plein. Explosif, on l'avait déjà vu au début. Après, on a tout un tas d'éléments. C'est assez bizarre la zone de zéro gravité parce qu'on se perd rapidement. On sait plus très bien dans quel sens on est, on sait plus très bien. Ça fait vraiment penser à une ambiance à la Star Wars, quoi. Une espèce de Dark Stars. Vraiment sympa. Du crédit, des bombinettes. Reste à ramasser. Alors ce jeu est quand même assez déroutant par moment. Vraiment magnifique en tout cas. Le passage comme celui-là, c'est vraiment super. Je sais pas si je peux.
pas de monstres, quelques explosifs, des items à ramasser. En fait, il n'y en avait pas tellement. Voilà. Alors, c'est une zone zéro gravité, par contre, on a quand même de l'oxygène a priori. Surtout qu'on est à l'extérieur, on n'a pas d'oxygène, on a besoin de masque. Exiting zero gravity. Des sous, plein de sous. Je pense à ouvrir les sous de la guerre. Great, you got a shock pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Shit, I can hear more coming. Moving through the vents. Stay safe, Isaac. Entering zero gravity. C'est de les repérer et de leur tirer dessus. C'est un peu fou. Alors nous prenons Isaac qui est à la fin. Il a la chance de pouvoir courir assez longtemps sans se fatiguer. Bug de recharger quand il y a un monstre à côté. Ah, tu fais moins malin sans ta queue. Effectivement, je lui avais arraché les bras mais pas la queue. Donc je me suis un petit peu. On va retourner sur les cadavres si j'arrive à me repérer. Voilà, il y en a un ici. Avec un item qui est tombé au sol. Voilà. Des munitions. C'est bien ça. Pour le fun, c'est bon fou. Je me suis pas vraiment servi pour l'instant. Moi, je suis un peu dérouté. C'est par là qu'il faut vite. C'est pas par là. Je vais de l'autre côté. Elle tournait à temps pour le frapper là où je voulais en fait, sur les bras. Et heureusement, le cutter, il porte bien son nom, il cut assez violemment et dans tous les sens. Alors, vous remarquerez que là on l'avait pas entendu arriver le monstre, parce qu'on est dans l'espace donc il n'y a pas de bruit. En fait, on s'entend à peine. Donc voilà le vaisseau vu sur le côté, le USG Ishimura. Vraiment magnifique ce passage. Oh. Je vais prendre un piètre viseur pour le paralyser. J'essaie désespérément de vider ses bras, mais lui il arrive pas. C'est dommage. Charger la stase aussi, ça joue tout le temps. Plein, mais c'est vrai que la stase c'est pratique quand il y a des monstres beaucoup trop nombreux pour les ralentir. Ça permet de s'occuper d'un monstre pour vous en tuer un autre. Wow. La stase, c'est ça. C'est propre dans les bras. Très pratique.
problème c'est qu'elle part très vite, donc c'est pareil, vous voyez, on a besoin vraiment de tout dans ce jeu là, donc c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce que l'on recharge. Donc là j'ai de la chance, j'ai de la stas pas loin, donc on sert immédiatement, c'est pas de question. Dans les cas où il y en a pas, dans les jeux vidéo est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des choses pareilles sur la bonne chose? Non, là-bas on peut pas l'ouvrir, donc continuer, hein. On va revenir sur nos pas. Enfin, c'est dommage qu'on puisse pas l'ouvrir parce qu'il y a une bonne chose par là. Ah! Histoire du jeu, carnet de travail, Dr. Warwick, chief officer en psychiatrie, patient Harris B, employé avec les rapports. Malheureusement, pas de code pour accéder à la salle d'à côté, ça m'aurait bien aidé, parce que c'est là que je voulais aller, il y a beaucoup de choses qui m'ont l'air fort intéressantes. Alors, Swing Power Node, yes. Noté 9 Power Nodes, Ignore Inventory. Ah, alors ça c'est la bonne surprise, je savais pas en fait. On peut utiliser les fameux Power Nodes qui permettent d'upgrader notre combinaison et les armes pour ouvrir certaines salles. Donc là c'est dommage, j'en ai pas. Mais je ferai plus attention à l'avenir. Vous voyez en plus, de devoir gérer ces nœuds pour augmenter ses capacités. Il faut en plus penser à... Voilà. Il y en avait beaucoup, donc imaginez une munition. Ah bah j'avais la stase, je suis con. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut tuer en fait. On les stase. Ah merde, soigné. Mais ouais, en fait la stase elle permet de ralentir ces petites merdes là et de remarcher dessus. Donc ça c'est con, j'ai pas pensé à utiliser la stase, mais souvent je trouve. C'est un peu le jeu qui fait ça, c'est sous l'effet de la surprise, on sait pas quoi faire. Ah non, c'était la porte. Quelle mauvaise surprise va nous attendre. Thermite bomb needed. Alors on l'a pas pour l'instant. Voilà. On va sauvegarder, je suppose. Bon, on va sauvegarder. Ah, oui. On va pas attaquer pendant qu'on sauvegarde, ça a l'air d'être bon. Hop, on sauvegarde, et puis bon, on va arrêter pour l'instant, et puis on reprendra plus tard.